Donc là, c'est ta crème pâtissière? Crème pâtissière. D'accord. Et donc, ta recette, c'est quoi exactement? Donc, c'est, dans un, c'est un soufflé? C'est un soufflé qui est à base de crème pâtissière. D'accord. On va rajouter un jaune d'œuf cru. Oui. Blanc d'œuf monté. Et il y a donc, de la banane dedans. On va mettre la banane mais au fond du récipient, du ramequin. Donc, soufflé banane rhum? Alors, soufflé rhum avec banane caramélisée D'accord. au fond. Il n'y aura pas de banane dans l'appareil. D'accord. La banane sera au fond du ramequin. Il faudra aller chercher la banane au fond. En passant par le soufflé. D'accord. Donc, on la laisse toujours frémir 2-3 minutes pour bien cuire les œufs et la maïzena. Voilà, l'avantage de la maïzena par rapport à la farine, c'est qu'on n'a pas le goût de farine après. D'accord. Donc, tu me conseilles d'utiliser de la maïzena. Maïzena et pas de farine. Là, c'est bon? Là, on la débarrasse. D'accord. Et on va la mettre à refroidir. Donc, voilà, ça, c'est le mieux, c'est de préparer ça la veille. Ouais, enfin, pas trop, parce que si elle est trop ferme, on aura du mal de mélanger les oui, jaunes d'œufs. Le matin pour le soir ou pour le midi. Ou même pour le midi. D'accord. Donc, ça, c'est bon. Donc, on va la laisser refroidir. Voilà, on va mettre un film contact pour pas qu'elle croûte. D'accord. Et on va la mettre à refroidir. Donc là, ah oui, tu veux. Voilà, comme ça, elle est quitte de croûter. Donc ensuite, on fait quoi? On s'occupe des bananes? Caraméliser les bananes. Ok. Donc tu prends quoi? Tu es parti sur de la banane quand même assez mûre? Ouais. J'enlève la peau. Et je les coupe? Voilà. Donc on va juste enlever la partie là et après, on va les couper des tronçons d'un centimètre 5 d'épaisseur. D'accord, ok. Un peu 9 minimum. Donc là, c'est bon, je te les ai coupés. Voilà, donc on chauffe bien la poêle. On va mettre un peu de beurre. D'accord. Alors, quand tu dis que tu vas les caraméliser, ah oui, tu vas d'abord mettre le sucre et ensuite mettre tes bananes. Voilà, on va faire un sucre, on va faire un petit caramel avec le sucre. Mmh. Donc, sucre cassonade, du beurre. En tant que cuisinier, toi qui viens de la pâtisserie, des fois, ça te manque? Ouais, mais bon, comme tu m'occupais encore un peu de la pâtisserie et puis on aime bien faire des essais. D'accord. Donc, j'ai toujours un peu le nez dedans. Mais... c'est vrai, ça me manque quand même. C'est vrai. Donc là, c'est bon, tu ajoutes ton sucre. Alors, c'est quoi? C'est du sucre roux? Du cassonade. La cassonade. Oui. Donc, on va faire juste vraiment juste aller-retour. D'accord. L'idée, c'est vraiment les enrober de ce caramel-là. Quoi. Voilà. Très légèrement. Et dans tes desserts, t'es plutôt justement assez classique et... Enfin, t'aimes bien les choses simples? Simple et vraiment avec du fruit. Je suis pas trop chocolat. Je préfère vraiment... Bon, la framboise, ça, c'est incontournable. Mmh. Et sinon, j'aime bien prendre des desserts de boutique, revisiter pour la restauration. Donc, ouais, tu prends vraiment beaucoup de plaisir à retransposer finalement ces grands classiques de la pâtisserie en sur assiette. Quoi. Voilà, oui. Mmh. Parce qu'on ne peut plus vraiment inventer. Non. Et puis après, on est dans une région, on a une clientèle qui aime bien le classique, mais tout en ayant un peu de modernité. D'accord. Donc, on mélange un peu les deux. Donc, voilà, le caramel bien blond. Je mets... On va mettre les bananes. D'accord, je mets les bananes. Donc, on va compter à peu près 3 par ramequin. On en fait toujours un peu plus, parce que... Là, je mets tout. Oui. Hein? Il y a une personne qui va les manger. Oui, je pense qu'on arrivera à trouver quelqu'un pour les manger. Hein? Voilà. Donc, c'est vraiment aller-retour. Quoi. Voilà. On les laisse quand même caraméliser. Bon, là, elles sont encore fermes, donc ça risque rien. Voilà. Ok, et ensuite, tu les retournes. Ah, tout de suite, ça rend... C'est plus gourmand quand tu vois la face comme ça. Puis ça fait sortir l'arôme de la banane. Le sucre et le beurre vont faire ressortir le goût de la banane. On va les flamber. Voilà, on va les flamber avec un rhum brun de Cuba. D'accord. Est-ce que cette recette-là, tu peux l'adapter avec, en fonction des fruits de saison? Voilà, on peut faire ça avec la mirabelle, la poire, la framboise. Mais la framboise, par contre, on va la mettre crue au fond du ramequin. D'accord. On va pas la préparer. Oui, ça dépend forcément du fruit. Du fruit, voilà. Mm. La poire, on va la pocher. D'accord. Après, on va la caraméliser et seulement après, on va la... Oui, c'est ça qui est bien dans cette recette-là, c'est que tu peux l'adapter avec les fruits de saison. Donc, avec un petit peu de rhum. Un peu de rhum. Bon, là, ça va pas flamber parce qu'on est... On est... Tout sur l'électrique. D'accord. Mais bon, les arômes sont là. Donc, on a notre crème pâtissière, nos bananes.
qu'on va mettre au frais. Mmh. On n'a plus qu'à beurrer nos petits ramequins. Ramequins, sucré. Sucré, voilà. Verser mettre la banane, préparation et au four. On va mettre jaune d'œuf et blanc d'œuf monté dans la crème pâtissière. Pour l'alléger. Pour l'alléger, puis pour que ça monte. Et un peu de rhum. D'accord. Ok, voilà. Du rhum. Et on n'aura plus qu'à mettre dans les petits ramequins et les enfourner. Les enfourner dans la four non ventilée. Sinon, le soufflet va monter et va partir sur le côté. D'accord, ok. C'est super beau. Hop, tu mets donc un petit peu de sucre glace au-dessus. Pas mettre trop pour pas que ce soit trop sucré. Mmh. Surtout qu'il y a vide, il retombe déjà. Voilà. Bon, bah, on n'a plus qu'à goûter. Allez. Donc l'idée, c'est d'aller au fond. Déjà, de goûter le premier. Et puis après, chercher la banane au fond. C'est trop bon. C'est trop bon parce que tu sens bien la petite touche de rhum, quoi, de rhum brun. Et même le goût de la banane est remonté à la surface. Mmh. Je vais chercher un petit bout de banane au fond. Ah, c'est trop bon. Avec la banane caramélisée, c'est extra, quoi. Tout de suite, ça apporte une autre touche de gourmandise. On sent le rhum et la banane en même temps. Pourtant, la banane est vraiment qu'au fond. Ouais, j'adore. Merci beaucoup, en tout cas, Hervé, pour cette journée. Pour cette soupe de cailloux, je pense que je m'en souviendrai. Et puis le soufflet excellent. Ouais. Et puis voilà, le pigeon, tout était bon. Donc on reviendra avec plaisir. À bientôt. Merci.